Bipez-moi Bulldog, mes sang. Bulldog. Le plus misérable de tous les Camerounais de la diaspora, c'est lui. Je suis comme un mec, mais je n'appelle pas les sobriquets. Mais sang Jean, lui, et sa femme. Couple de pingouins. Je me fais mon direct dans 6 heures. Parce que j'ai envie de laver ce monsieur aujourd'hui. On attend le plombier bien mettre l'eau. C'est la force comme ça, hein, mon fils. Mais ça. Non, attends, on va écouter. Tu es milliardaire? Je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire ou quoi que ce soit. Tu veux juste pas que les minables personnages viennent dans ma vie et essayent de faire comme si c'est eux qui m'ont apporté. Vous ne m'avez rien apporté. Votre, parce que votre vie ne ressemble à rien. Oui. Votre vie ne ressemble à rien. La vie de mes sœurs ne ressemble à rien. Yeah. Je suis là-bas, et d'autres en Allemagne. Voilà. Pourquoi vous n'achetez pas les maisons? Vous avez, je vous ai entendu dire aussi qu'il y a des gens, il y a des coups. Ça, mais ça. Comme c'est toi qui es derrière ton machiavélique de mari. Tu m'avais dit quoi? Oh, ton beau frère a fait fort. Hein. Il a acheté la maison. Je vous ai toujours dit ceux qui n'ont jamais acheté la maison. Star, mais ça. Star. Marie, me star, Marie, machin, je ne sais pas comment, ou c'est Ngomabo, ou c'est qui. Profite des aides de l'État allemand. Elle est considérée, elle est là-bas comme une femme seule. Elle est considérée comme une femme seule avec des enfants. Donc la maison où elle, l'autre fait le direct, qui remplit l'écran là. Son nom n'est pas dedans. Le nom de ça ne figure même pas dedans. C'est quoi? Mais ça habite dans un petit appartement. En Suisse, à Bâle. Je vous avais déjà dit ça ici. Il habite dans un appartement en Suisse. Là où il travaille, il est livreur à FedEx. Sa femme habite seule. Une femme qui ne veut rien faire. Même la marque Mbrakata qu'elle a créée pour vendre le Njanson. Elle n'arrive pas à faire la publicité. Elle n'arrive pas à faire la publicité de sa propre marque. Elle n'arrive pas. Elle m'a montré si, oh, voilà ce que j'ai fait. Comme genre ce que j'ai fait à ma mère au Cameroun. Tout ce que tu as vu de faire à ta mère, c'est l'huile rouge. C'est le creuset là où elle fait l'huile rouge. Hein? Des femmes comme toi avant construisent comme ça, les camps. Même le permis de conduire, tu n'as pas. C'est toujours la jachère comme ça. Parce que vous voulez entendre que je suis marié. Ton mari a acheté la maison ou dans sa tête.
Vous vivez en couple. Le folklore que vous faites sur Facebook là. Et c'est le nom d'amour que vous venez mettre devant. Hein? Vraiment, alors, Cathy est fait. Moi, je suis en train de faire le diable avec toi. Tu viens te parler. Merci. Quand on a la paix du cœur, on a. Tu as le beau frère qui assure. Depuis 5 ans, il assure. Maintenant, tu vois que Langa est devenue américaine. Langa a perdu les kilos. Langa est devenue encore belle, belle, belle là. Son cœur ne tient plus la route. Bref, Cathy FM, il dit comme bon, bon, j'ai une à toi. Et mes condoléances pour ton père qui est décédé. Cathy, j'ai acheté le gelé chez toi, donc j'ai dit que il faut que tu signes le contrat avec moi. Moi, je ne fais pas la publicité gratuite. Tu m'as vendu. Donc, pour que j'en parle, pour que je dévoile le secret, il faut que tu me payes. Voilà, c'est pour ça que je n'en parle même pas. Maintenant, quand j'achète quelque chose, si j'achète un produit chez vous et que j'ai acheté, si j'ai pitié de toi, je fais un petit post, c'est tout. Mais là, toi, là, tu dois payer. Merci, Balabé, V.O.T.O. Le cap, c'est le cap, oui. Voilà. Donc, je vous ai dit que le couple Sophie Bibois, merci. Le couple qui m'a insulté, qui a tué Lambert, là. Le couple qui a tué Lambert. Le couple qui a tué Lambert, il est né. Il est enterré jusqu'aujourd'hui. Le couple me sent. Parce qu'il voulait me détruire. Joyeux Noël à tous. Parce que ce couple voulait me détruire. Ce couple voulait m'escroquer. J'ai parlé de ça ici sur Facebook. Ouah, le temps poste de ça, est-ce que ça l'a empêché d'aller elle-même voir? Amen, quand même, elle est partie. Il l'a vu. Amen, quand même, elle est partie, elle l'a vu. Voilà, j'attends que tu payes pour que je parle de tes produits qui m'ont fait maigrir. Tu ne payes pas, je ne parle pas de ça. Écoutez ce que la Gluta qui était avec eux, qui payait leur salle, qui payait leur ceci, qui payait ceci, elle aussi dit la même chose. Hein. Mais ça vit en Suisse. Sa femme vit en Allemagne en tant que femme seule. Donc l'État lui a attribué une maison. Ma nièce vit dans la même une maison pareille. Avec les aides que les. Parce que ma nièce est femme seule aussi avec deux enfants. Elle n'est pas mariée. La loi en Allemagne protège beaucoup plus, paye beaucoup plus ça qu'en France. Vous parlez d'un motoro qui bénéficie de. Donc le train de vie qu'à Motomène là, c'est les allocations. Toi, tu viens voler les gens avec ta grosse tête, comme la pastèque. Tu viens voler les gens, tu dis petit, PTT, 250 euros. Tu es affilié pour prendre 250 euros aux gens, pour créer l'association des escrocs. L'association des mamouns, les mamouns. L'escroquerie, t'as fait quoi, mais ça escroquerie. Tu as la mort de l'armée dans ta conscience. Tu as le sang de l'armée entre tes mains. Voilà ça qui t'attrape là. J'ai dit que la fin d'année, ce ne va pas finir. Si l'armée ne se retrouve pas dans sa tombe, c'est toi qui l'as tué. Te voilà qui bouffe 200 noms de ton type. Tu as bouffé 3, il reste encore 100 quelques. Tu n'es qu'au début. Tu n'es qu'au début. Lambert s'est déjà retourné dans la tombe. Que voilà. Il va te perturber jusqu'à. Parce que c'est toi qui as fait qu'il meurt. Mais à Kamba. 2. Pourquoi ne t'aide pas à bouffer le Ndjangui? N'est-ce pas, vous avez fait la conférence vidéo de 2 jours, de samedi à dimanche, pour les sous-titres Chopin. Je ne parle pas de Gluta, ma chaîne, je ne la connais pas. Je dis de ce qu'elle était leur amie.
les paroles qui sortent de sa bouche, je ne la connais pas, je ne suis même pas sérieuse. Regardez la page où je suis. Je ne la suis pas, je ne la connais pas. Parce que d'un côté, j'estime que quand tu as mangé avec quelqu'un, tu ne dois pas venir exposer vos secrets dehors. Mais ça en mérite. Mais ça en mérite ça. Parce qu'il n'est pas, il a ami des personnes, il utilise les gens. Il n'est pas ami comme Fleur était ami avec un autre, que c'était une famille. Il n'était pas ami, mais ça utilise les gens pour ses fins. Il a tué Lambert avec Akame Sindi. Pourquoi Akame Sindi ne l'aide plus à bouffer des Njangi? Hein? Il est en train de payer seul. Pourquoi Akame Sindi ne vient pas t'aider à bouffer des Njangi? Vous avez fait la conférence vidéo 5 heures de temps, de samedi à dimanche, pour parler de Madame Chopin. Tu croyais que ça m'a ébranlé, mais ça a tué quelqu'un. Et je n'ai rien à foutre. Mais Lambert est en train de vous perturber. Son sang est en train de vous perturber jusqu'à... Vous voyez comment j'ai évolué. J'ai fait la crémaillère tout à l'heure, peut-être cette semaine. J'ai fini. Toi, tu as fini quoi, mon sang? C'est quoi ton bilan 2024? Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est quoi? Hmm? Ton bilan, c'est quoi en 2024? Je n'ai pas dit que tu vis en Suisse, ta femme vit en France, en Allemagne. Elle est considérée comme femme seule. Les enfants ne sont pas reconnus. Je n'ai pas dit ça ici sur Facebook. Tu prends Marie de la régie. Pose-moi mon téléphone. Hein. Oh. Tu prends ta femme mariée, que dans ta tête. Parce que vous êtes censé vivre en Europe. Un mariage qui n'est pas légal. C'est un autre vrai Camerounais peut venir la gâcher là. Mais comme elle-même sait ce qu'elle fait avec toi, les enfants ne sont pas reconnus. Les enfants ne sont pas reconnus. Le mariage n'est pas reconnu. Et vous venez de dire sur Facebook que vous êtes. Hein? Vous êtes un couple. Couple de quoi? Vous êtes quel couple? Vous formez quel couple? Couple des escroqués. Bah, venez écouter, venez prendre votre voix.
On s'habille en rouge à Noël, non? Merci, merci. Je viens de me réveiller. Tu les as utilisés par les amis, tu les as payés. Tu les as utilisés par les amis, tu les as payés. Tu les as mis à la star, à la star, tes esclaves, tu voulais les hommes. Va aller des nôtres, va appeler l'autre, va insulter l'autre, va faire ceci. Maintenant qu'ils ont refusé de faire sur ton sale boulot, tu veux tuer sa mère, tu veux le tuer pourquoi? Je te dis que... Elle fait l'huile de palme. Sa mère fait l'huile de palme. Je te donne l'info. Sa mère, elle... La seule chose qu'elle a trouvée qu'elle peut faire à une maman, si la mère disait Seigneur Jésus-Christ, c'est elle qui allait, tous les appartements, si elle allait être pour elle, elle dit, maman, je construis, tu prends l'argent. Tu prends l'argent. Maman, tu m'as donné la vie, oh maman, ma vie, on garde. Ta mère dit, c'est à me sang. Tout ce que tu as trouvé à faire à ta mère, c'est de creuser un trou, de faire de vendre. Je vous donne l'information. Sa mère vend l'huile de palme. Idea. Elle est fière de ça. Quand elle m'a parlé, elle m'a montré voilà ce que j'ai fait à ma mère. Et j'ai ouvert l'entreprise. L'huile de palme, oui, c'est une bonne activité lucrative, mais ça ne mérite pas que c'est sa fille qui a passé plus de 30 ans en Europe. C'est ce que sa mère fait. La mère de Marie Larry. Elle va dire que son mari est ceci. Marie a fait ceci. Ton mari n'a jamais acheté une maison. Tu vis dans une maison que l'État t'a donnée. Parce que tu as épousé un père qui ne te laisse pas respirer. Oui. Elle n'a pas le permis. Il se compare aux femmes.
Voilà. Voilà. Je n'ai pas dit ça ici. Je n'ai pas dit ça ici. C'est le nom d'Amour qui est gâté. Amour, au moins, dans le travail au Cameroun. Il vit dans l'appartement en Europe avec ses enfants. Même si c'est HLM. Mais au Cameroun, il investit. On peut se sacrifier d'un côté. On peut se sacrifier d'un côté pour vivre à l'aise de l'autre côté. Tu viens t'asseoir, j'ai dit que président Mout, c'est mon fils d'homme. Président Mout, c'est mon fils. De Borova. Sa mère est de Borova, si vous ne savez pas. Donc, c'est pour ça que je mène ces combats ce matin. Mais ça, tu ne peux pas jouer dans la même cour qu'à moi. C'est un combat que tu perds en avance. Donc dépose les armes, pardon. Mets des petits combats avec les abattoirs, Camille et tout ce monde-là. Mais avec une équipe, vous êtes pareil. À moi, c'est un poids lourd. Tu ne peux pas mener un combat avec lui. Tu ne peux pas. C'est comme Aquilon de Ndiapo. Viens jouer avec les lions, ils ont tort. Faut savoir peser vos adversaires, faut savoir choisir les combats. Tu te lèves pour combattre, peser mon cœur. Vous avez là, vous. C'est comment? Un petit transporteur en Suisse qui se débrouille, il a compris comment on peut gagner un peu d'argent sur Internet en faisant le direct, en insultant les femmes. Elle n'a pas de permis. Bête, Yvette, elle n'a pas de permis. Ne viens pas. Déjà, je vais te bloquer ici, là, avec tes commentaires bizarres. Je connais cette famille. C'est pas la COVID de conduire. Je connais. Tu ne les connais pas. Pourquoi ils m'ont choisi comme marraine de leur fils? Je connais toute sa vie comme ça. Toutes leurs petites fils. Je vous ai bien dit ici que les deux là n'ont pas la même adresse, non? Voilà ce qui est sorti. Je ne vous ai pas dit ça ici. C'est une famille que j'ai fréquentée. C'est ma mère qui m'a dit, ma fille, je t'ai vu, ma mère a quitté sa maison, elle a pris sa voiture, elle est venue trouver l'hôtel à Bâle. Elle me dit, je t'ai vu chez ces gens. T'as dit la copine. Quand elle dit ma mère, c'est la copine intime de ma défunte maman qui a mis au monde. Donc, une de ses meilleures amies, elle m'a vu grandir. Elle est venue, je ne sais pas son nom, mais me sens sec de qui je parle. Elle a Bâle, ma mère elle est à Bâle là. Il connaissait le groupe, c'est elle qui elle m'a dit, je te parle là comme c'est ta mère qui m'a envoyé. Tu quittes ce couple tout de suite, je ne veux plus te voir avec eux. Je ne veux plus te voir avec eux. C'est comme ça que j'ai envoyé. J'ai enlevé mes deux pieds et mes bengues. C'est un couple de profiteurs. C'est un couple de profiteurs. Tout pour eux. Quand ils sont avec toi, c'est parce que tu les apportes quelque chose. Je ne suis pas ici pour chercher les vues. Hein. Ma page n'est pas monétisée. Je parle souvent seul. Après le lendemain, tu vas trouver 3 000-4 000 vues. Je connais mon titre. Je connais les gens qui me suivent. Je connais les personnes qui me suivent. Je ne veux pas les mouches dans les directs. Je suis pour la qualité. Et vous l'avez vu depuis 2 jours là. Les milieux que je fréquente. C'est même chose sur Facebook. Donc, toi qui viens parler de vues, là, je n'ai pas besoin de vues. Ma page, j'étais aux États-Unis, là où les monétisations, quand tu monétises la page aux États-Unis, on te paye cher. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce que je ne cours pas derrière les vues. Je suis pour la qualité sur Internet. Et dans la vraie vie. Je fais souvent mon direct avec 15 personnes. 15. On cause. C'est comme si je causais avec 15 personnes. Après, maintenant, comme c'est le virtuel, d'autres personnes peuvent venir regarder. Regardez tous mes directs. Il n'y a pas moins de 4 000, 5 000 vues. Quand je quitte un direct, après une journée ou deux, il y a 5 000 personnes ou 3 000 personnes qui ont quand même regardé, ou 2 000. Ça va. Je ne suis pas monétisé. Ça me va. Mon message est passé. Mon message marche. Pourquoi je n'ai pas monétisé mes pages quand j'étais en Europe là, ou aux États-Unis?
J'ai dit que si tu mentis, ta part aux États-Unis, les gens, il n'y a pas trop de Congolais là-bas. Je ne l'ai pas fait. Pourtant, il y en a qui m'ont conseillé. Que tu aux têtes, monétises là-bas, j'ai dit non, non, ça ne l'a pas. Ce n'est pas mon truc. Jeanne Zobo, bonne fête à toi, ma soeur. Merci. Donc, ça subit. Elle veut entendre parler qu'elle vit avec un homme. Elle veut entendre dire qu'elle va. Elle veut ouvrir aussi entendre qu'elle est mariée. Elle est mariée. Une autre personne peut la détourner là. Mais comme elle est à Ouda, elle ne peut pas trouver mieux. Elle subit alors. Parce qu'elle n'est pas mariée en Europe. Son mari n'est pas considéré là-bas. Ses enfants même ne sont pas reconnus. Le mariage même n'est pas reconnu. Amota a épousé, il est passé à TF1. Ses enfants portent son nom. Tu te lèves, quelqu'un qui fait le baptême de ses enfants comme un mariage présidentiel. Hein? Oh, Eton, vous savez combien ça coûte? À Bastos, là où j'étais, là où il y a eu le baptême, vous savez combien ça a coûté? Hein? Parce qu'il assume sa vie, il assume ses enfants, il assume sa femme, son épouse. Il assume sa vie. Commencez par assumer votre mariage en déclarant le mariage en Suisse. Mais ça en Suisse n'est pas divorcé, hein? Mais ça est encore marié. Le fou que tu l'as fait, mais ça est encore marié à la femme qui lui a donné Kaoru. Il n'a même pas le passeport, il a le permis. Il a le permis, c'est. Il n'a pas le passeport suisse, il n'est pas naturalisé. Mais ça n'est pas divorcé officiellement à la fin en Suisse. Il a une sale vie de merde. Et c'est lui qui vient soulever sa saleté pour mettre ça sur les gens. Mais ça n'est pas divorcé de la vie. Il attend que la dame meure pour qu'il soit veuf comme moi là. Ce sont ses calculs. Voilà sa vie. Parce que la veuvage en Suisse, ça paye. À vie. Et sa femme le sait. Et c'est, vous allez vous asseoir, vous parlez des gens. Mais ça n'est pas le passeport suisse, il a le permis C. Si je manque, il vous dépose son passeport suisse. Je dis que c'est une famille que je connais, je maîtrise comme ça. Merci mon Jean-Caron. Mais ça n'a pas de passeport suisse, mais ça a le permis C. Le permis C qui lui donne le droit d'avoir. Ses enfants sont allemands. Sa femme a le définitif allemand. Elle n'est pas allemande, elle a le définitif. Ce qu'on appelle en Allemagne la carte définitive, comme la carte d'exil en France. Ce que sa femme a. Lui-même a le permis C. Et il est encore marié en Suisse. Il n'a pas divorcé. Il est séparé depuis des années. Il attend que la femme crève pour être veuve et toucher sa retraite et toucher le veuvage, comme je touche là. C'est ça qu'il attend. Et sa femme est au courant de ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas légalisé le mariage en Europe. La femme bénéficie des aides en Allemagne. Et lui bénéficie. Il attend que la femme qui lui a donné Kaolo meurt en Suisse, c'est une femme blanche. Vous comprenez? Par la vérité que je vous annonce. Comme je vous ai dit que ils n'habitent pas ensemble, ça vit en Suisse. Et sa femme vit en France, en Allemagne, comme femme seule. Je vous ai dit ça ici, non? Il a montré quel passeport. Mais ça n'a pas de passeport suisse, je vous dis ça. Il n'a pas de passeport suisse. Je ne dirais pas mentir sur mon gars. Nous vous avez dit ici que Guilherme aussi avait montré le passeport, non? Elle est où? Demandez à Vincent de filmer son passeport sur la page. Elle dit poste. Demandez-lui de filmer poste. Quand
tu as les pousses d'assurance, tu ne peux pas avoir l'assurance. Il y a des choses que tu as, qu'il a fait, qui ne lui donneront, qui ne lui donneront jamais le droit à la naturalisation suisse. Jamais. Parler des choses que tu conseilles. Demandez-lui de filmer le passeport. Quand on montre comme ça, c'est pas ça. Quand moi je montre mes visas, je filme. Hein. Je filme. Mon nom est dedans. La durée du visa est dedans. Mon passeport est dedans. Vous n'avez pas le droit. Je vous avais dit que le visage n'a pas le papier, non. Mais ça, vous avez dit que je mens. Je suis jalouse. Elle est à la soirée de Flore. Voilà. Comment vous venez mentir sur mon live? Je vous l'avais dit ici que Guylaine Chapuis n'a pas de papier. Elle vous présente un faux passeport. C'était son premier jour, elle a ouvert son passeport. Guylaine Chapuis avait la doublure. Hein? Pourquoi la femme ne divorce pas? En Suisse, le divorce coûte cher. Hein? Peut-être qu'elle laisse comme ça. Ça dépend de celui qui va d'abord mourir. Mais sans travail, elle travaille. Donc, voilà, ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas, c'est un accord à la guerre. Est-ce que moi j'ai divorcé? Nombreux étaient sur Facebook la croyant que moi j'étais divorcé. Je ne parle pas divorcé. Mais je suis veuve aujourd'hui. Je suis veuve. Il n'est pas suisse. Ouais. Bon, vous qui venez de dire là qu'il est suisse, je vous bloque. Il n'est pas suisse. Mais ça n'est pas suisse. Mais sans le permis, il avait même menti à Lady Ponce. Lady Ponce l'a vu pourquoi? Parce que Lady Ponce a vu qu'il n'est pas suisse. Et qu'il ne peut pas se, les deux ne peuvent pas se marier. Vous savez que c'est le premier amour de Lady Ponce en Belgique, non? Hein? Et à l'époque, Lady Ponce voulait les chaos. Quand elle a crié, elle a vu qu'elle ne peut pas avoir les chaos, elle a fui. Elle est partie en France. Je vous raconte des histoires authentiques. La vérité par rapport à ici Suzanne Magne. Quand moi je sors, je me dis que voilà. Après, on me traite de tout, des noms d'oiseaux. Je me tais. Mais on dit, la dame dit que la vérité prend les escaliers. C'est le mensonge qui prend l'ascenseur. Je reste souvent là, je guette. Après, ça vient me trouver que c'est Matt qui avait raison. C'est Matt qui avait raison. Je sais que si Guylaine Chapuis va à la soirée de Flore, je quitte Facebook. Parce que c'est qu'elle ne peut pas voyager. C'était vrai, non? J'avais dit ici que le couple, mais ça n'habite pas ensemble. Ils n'habitent pas ensemble. Mais ça a le permis, c'est. Et il n'est pas divorcé en Suisse. Retenez-le. Il n'est pas divorcé, c'est pour ça qu'il a gardé son adresse en Suisse. Le nom de Marie de la Régie ne figure pas à l'adresse de ma sœur en Suisse. Parce qu'il est non marié à une autre femme là-bas. Il n'est pas divorcé. Marie est considérée en France, en Allemagne, comme une femme seule. L'État lui a donné la maison. C'est pas un mariage, c'est le folklore. C'est le folklore qu'ils font là. Ce n'est pas un mariage. Ils ne vivent pas dans la même maison. Ils ne vivent pas dans la même maison. Monsieur vit en Suisse. Comme il travaille là-bas, il est livré là-bas. Le lundi, c'est comme si tu as un gars là. Tu as un gars, comme nous qui vivons, quand vous vivez en Bégla, tu as un gars, vous voyez seulement le week-end. Et c'est sur Facebook que vous êtes trop marié. La vie de Facebook n'a rien à voir avec la vraie vie. Ça n'a rien à voir. Ils sont trop mariés sur Facebook. Mais dans la réalité, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Je vous dis, ma sœur est encore mariée à une Suissesse qui lui a donné le kaolo, le permis C. Vous comprenez? Il a son appartement en Suisse. Le nom de sa femme ne figure pas dans cet appartement-là.
Le nom de Marie, ou c'est sa femme, ou c'est qui, ou la mère de ses enfants, ne figure pas dans l'appartement de mes sangs. Je me sentis là-bas de lundi à vendredi. Il est livreur. Il est libre, donc une caisse, il reste. Est-ce que moi, j'ai crié? Je suis très douce comme femme, hein? Dans la vraie, je suis douce. Autoritaire, mais douce. Même quand je crie sur les enfants, après, j'ai mal à la tête, je n'aime pas crier. Livreur de colis. Ce mariage n'est pas valide avec vous. Même les enfants, je vous dis que même ses enfants, il n'est pas banquier, Caron. Il n'est pas banquier, c'est un livreur. C'est pour ça que le temps de Kumosa, vous savez, les livreurs, ils ont trop de temps. Le banquier a le temps. Le banquier a le temps. Vous entendez, vous écoutez les voix. Les voix, il est dans la voiture, il met le voice. Parce qu'entre deux livraisons, il peut faire les voix. C'est pour ça que ses voix sortent beaucoup. S'il était banquier, il allait beaucoup, on allait beaucoup avoir ses captures d'écran. Les captures d'écran des écrits. Parce que tu es au bureau, tu peux écrire, tu ne peux pas faire un voice devant les gens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qui va le filmer? Vous savez qu'en Suisse, tout le monde travaille, les gens n'ont pas ce temps-là. Hein? Qui va le filmer? Si travaillait dans un bureau, c'est les captures qu'on allait vous poster sur les réseaux sociaux. Qu'il m'a dit ça, il allait bien se défendre et dire que ça a été comme d'habitude, comme ils font. C'est un montage. On ne peut pas monter sa voix. La voix de chaque, tout un chacun est unique. Moi, on me reconnaît partout dans le monde à cause de ma voix. Je peux être là, je suis assis devant les gens, je vois les Camerounais qui sont assis. Et tant que je n'ouvre pas la bouche, on ne me reconnaît pas. Dès que je commence à parler, ah, c'est Marc Chopin, j'ai pas la voix. C'est Marc Chopin, c'est Marc Chopin. C'est comme ça. Moi, on me reconnaît beaucoup plus par ma voix. Ma voix à gauche là. Mais ça laisse beaucoup les voix. Les voix qui lui font bouffer les jambes aujourd'hui là. Parce qu'il a le temps. Il peut facilement faire les voix entre deux livraisons. Il ne peut pas écrire. On n'écrit pas au volant, on peut faire un voice. C'est comme ça. Moi, je subissais ça. Va répondre à tel. Je vais répondre à tel. Il m'a envoyé aller clasher jusqu'à l'eau. Oh, ta fille est ceci, ta fille est cela. Moi, on ne m'envoie pas, je ne suis pas marionnette. Il n'est pas veuf. Il est encore marié, il n'est pas veuf. Tu veux quoi? Il est bien. Ah, il y a quoi? Hein? Non, moi, il est sensible. Bon, ma soeur, tu vois? Non. Mais c'est le caliman, le caliman. Va, il y a la personne, ma soeur. Quand on a le caliman, comme ça, tu mets là, la personne. Quoi pour la maison? Non, les enfants c'est bon là. Tu regardes, tu vas laver la voiture la deuxième fois. Mais toutes les voitures là, c'est ton travail. Parce que tu es chaud. Il devait pas être à la retraite de. Tu sais qu'il a diminué l'âge, non? Kumba. Il était passé par là. La retraite en Suisse pour les hommes, c'est 66 ans. C'est 66 ans. Mmh. Bon voyage. Je suis fatigué de garder les enfants. Oui, j'ai démasqué. J'ai été aidé.
Tu étais aidé par, je ne sais pas sur quoi, il m'avait choisi comme marraine. Le gars, quand on me choisit comme marraine, il dit, j'ai commencé à offrir. Oh, dès qu'elle voit une robe, sa femme, hein, c'est sa femme virtuelle. Quand je vendais, j'étais à fond dans la vente des vêtements en Suisse et des sacs. Oh, je ne sais pas comment l'appeler. Ma soeur, parce qu'elle est moins à même âge, à peu, c'est ce que je sais, elle a 50 ans. J'aime le sac là-dedans, elle va faire genre, elle va acheter, elle aime le sac, elle aime la robe, elle aime l'ensemble ici, elle aime ceci. Moi aussi j'offrais, non. J'offrais pour aller à l'anniversaire de l'enfant, le premier année de leur premier anniversaire. J'ai acheté les ruinards, je suis allé, j'ai pris ma chambre d'hôtel. La parole était là, ce n'est pas qu'on va parler, le petit pays était là. Il m'a insulté que j'ai dormi dans son canapé, mais sans ça me ressemble. Oui, mais tu sais, moi j'aime quand on tire sur moi. Des fois, même je les provoque pour tirer sur moi. On tire sur moi parce que je réalise comme ça. Voilà ce que je fais. Et les gens ne sont pas contents, c'est pour ça qu'on tire sur moi. Voilà. Quand tu vois ça, ça me semble, n'a même pas le terrain. Hein? Quand je viens de finir un appartement comme ça, je vais entamer l'autre de bientôt. Pourquoi on va pas tirer sur moi? C'est la jalousie. Comment tu poses une question comme tu as la réponse? Vous savez ce que je fais sur les réseaux sociaux. Oh, je veux ce sac, je veux ceci. Les gens là voulaient m'escroquer. Je vous dis que je dis merci à ma mère qui est mariée aussi là-bas depuis 30 ans. Elle m'a dit deux fois avec eux. Elle est venue me voir à l'hôtel. J'étais à l'hôtel à Bâle. Je vous dis que la femme était fâchée comme c'est ma mère qui me parlait. On dirait que c'est ma mère qui est entrée en elle. Ma fille, j'ai quitté la maison. Je suis venue te parler. Je ne veux plus te voir avec ce couple. On les connaît ici à Bâle. Ils vont t'escroquer. J'ai dit, hé. Après, j'ai dit, tu avais raison. Moi, je commençais déjà, je cherchais déjà à prendre les distances. Je voyais que les demandes de trucs étaient, oh, on va au Cameroun, on va se marier. Il faut que j'achète mon billet d'avion pour venir organiser le baptême de l'enfant de Vincent à Douala. Je suis malade, je cherche quoi faire avec l'argent. C'est ce qu'il m'a dit. Hein? Mm-hmm. Il était question que je vienne avec eux comme Abon est venu là. C'est moi qui viens, comme on m'a choisi comme mari, c'est moi qui viens organiser le baptême. Donc parce qu'ils ont voulu baptiser l'enfant là, ils n'avaient pas encore les jumelles. Ils ont voulu baptiser l'enfant là au même moment que le mariage, mais ils n'avaient pas le. Est-ce qu'ils ont alors les moyens de leur politique? C'est moi qui devais organiser le baptême. J'ai regardé que, yeah! Moi-ci. Mais les gens se sont trompés. Vous vous trompez de personne. Mon argent ne sort pas pour n'importe comment. Je te dis que Marie, Jean-Luc, Elisabeth Bresset le connaît vraiment. Son appartement est à Bâle. Il a des problèmes avec tous les passages. De personne. Quitte là. Personne légère. Marie, la régie, son prénom, c'est Charlotte Ngo. Ngo Makita. Star. Marista, oui. Il y a Marista dans son nom. Voilà. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il a tué Lambert. Quand je suis venu verser nos fuck-up sur Facebook. Il a venu m'anticiper que j'ai dormi dans son canapé, moi. Mais ça dit qu'il s'est rendu ridicule. J'ai dormi dans son canapé. Son petit salon à base, ici là c'est plus grand. Mon appartement c'est le salon d'ici là. C'est deux fois. C'est deux fois. Ils ont tué la mère.
mentalement. Lambert n'était pas fort. Lambert faisait que quand même je suis énervé, il commence à trembler comme ça. Il tremble. Il tremblait. Il n'était pas fort mentalement. Ils ont pris le monsieur là pour en faire un bouc émissaire. Oui, si tu tombes dans les pièges de dépenses, ce que tout ce qu'elle raconte là, c'est vrai. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Moi, j'ai fui. Ils ont voulu que je, moi qui organise le baptême de leur enfant pour le même jour que le mariage. Pour qu'on me filme, pour mettre sur Facebook que voilà la marraine. Moi, je fais quoi avec ça? Je ne dis pas pour les yeux des gens. Hein? Je ne vis pas pour les yeux des gens. Je ne vis pas pour les yeux des gens. Ils ont utilisé Lambert comme ils ont voulu faire à l'abbé Samla. Ça dit que l'armée n'avait pas le pouvoir d'achat, il lui donne des petits envois. Et c'est Akamba qui a commencé ça. On lui envoie 100 euros, 100. Mais malgré ça, il voulait. Il me connaît, il me connaissait. Oui, mais c'est une femme qui se cache à la cour d'un homme, c'est vrai. Je vous dis qu'il n'est pas suisse, il a le permis ici. Qu'il filme le passeport. Son passeport, comme je vous fais souvent là, que quand on me donne le visa, pour que vous confirmez même comment donner le visa, j'ouvre. Je le cache rien, c'est mon visa. J'ouvre. Ça commence tant, ça finit tant. C'est ce que je vous ai dit ici à Guilain Chapu. Que quand tu veux prouver, prouve. Ne fais pas ça à moitié que voilà, voilà mon passeport. Voilà, non. Ouvre. Tu filmes, on regarde la date de fabrication, la date de délivrance, la date d'expiration. Nous sommes encore les passeports suisses. Il n'a pas de passeport suisse. Il a le permis C. Il ne peut pas avoir le passeport suisse parce que son casier judiciaire est long comme le bras en Suisse. Dès quand tu as le casier judiciaire quelque part en Europe, tu ne peux plus prétendre à la naturalisation. Moi, je ne pouvais même pas. Je ne pouvais pas. Mon mari avait était dans les procès jusqu'ici et moi, je voulais prendre la nationalité facilitée. Ça dépendait de mon mari. Je ne pouvais pas. J'étais aux poursuites. Je ne pouvais pas. À cause de ce soir d'internet, j'avais déjà un casier judiciaire suisse. Donc, quand tu es en casier judiciaire, ne tente même pas. Tu ne peux pas avoir la nationalité. Comme Akamba, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et je voulais dire aussi, par rapport à Guylaine Chapu, que Guylaine n'est pas française. Parce que le casier judiciaire compte pour la naturalisation. Avec tout ce qu'elle a eu là-bas, elle a été rapatriée et tout. Je voulais dire que Guylaine ne pouvait pas avoir la nationalité. Elle n'a même pas de papier. Nous, voilà aujourd'hui, non? J'ai dit ça à Guylaine, est-ce qu'elle a voyagé? Mais ça vous disait que oh, elle a le passeport, elle a monté son passeport. Un faux passeport. Quand tu veux montrer, filme. Ouvre la page, tu filmes, tu te déposes. Tu filmes, tu te déposes. Il a le permis, c'est. Voilà. Voilà une des raisons. Il ne peut pas aller vivre en Allemagne avec le permis C. Non. Akaba est sans passeport d'eau aussi. Akaba est dans le niveau des visas. Elle ne peut pas te permettre pour poser un permis de séjour là où elle est là. J'étais en justice avec elle, je connais sa situation en Suisse. Même son petit salaire qu'elle gagne là. Akaba est le genre que. Elle est payée par rapport quand on l'appelle, parce qu'elle est intérimaire. Elle n'a pas un contrat. Que elle a fait le machin. Les histoires que vous voyez, elle a cotisé pour ma retraite. Elle m'avait cotisé pour ma retraite. C'est le pipeau. C'est le pipeau. C'est pour survivre et peut-être gagner l'argent pour payer le loyer. C'est tout. Elle aura quoi à la retraite? Rien. Je cause tout à ma petite soeur qui est engagée, qui est aide-soignante à l'hôpital de Genève. Ma petite soeur est fonctionnaire d'État. Elle veut même déjà rentrer au Cameroun, elle attend juste que son mari prenne la retraite pour rentrer. Parce qu'elle m'a calculé sa retraite. Et elle a commencé à travailler avant Akamba. Hein. Elle n'aura rien. Elle n'aura pas grand chose à la retraite. Ma petite soeur, je parle de ma petite soeur.
Elle est suisse, elle a le passeport suisse. En Europe, plus tu commences le travail tôt, plus la retraite sera. Comme mon mari a commencé tôt, mon chauffeur a commencé le travail, il avait 23 ans. Il a fait tout, il a pris sa retraite normale. C'est pour ça que je me retrouve avec 2400 francs de 2300 et quelques. Qu'on a même divisé de sa retraite. À Kamba Nova, rien. Rien. Elle cotise quoi? Elle sera dans les 200, 300, maximum 500 ou 600 francs de. Parce que bientôt, elle n'a plus pour 10 ans de travail. Disons même qu'elle est engagée, elle dit qu'elle cotise à côté. Elle n'aura rien du tout. Si ma petite sœur n'aura pas grand chose, ma petite sœur a commencé à travailler dans la Kamba. Formation, elle a plus. Ma petite sœur gagne 7000 francs par mois. J'ai le butin avec moi. 7000 francs. Par mois. Ça dit que c'est comme ça. Elle n'est pas intérimaire comme Akamba. Akamba qu'on appelle que vient travailler. Elle peut gagner, Akamba peut gagner un mois, elle peut atteindre même 8000 si elle a fait beaucoup de remplacements. Mais à la base, elle n'a rien. Elle joue au Django. Django d'Assain, elle joue au Django. C'est quand elle l'appelle là qu'elle filme que je m'en vais cotiser ma retraite. Quelle retraite, Akamba? Tu vas cotiser quelle retraite? Ni manière où elle en met. Quelle retraite tu cotises? À plus de 50 ans. Tu as commencé à travailler à 50 ans. Quelle retraite tu vas cotiser? Nous tous on connaît le système suisse. Tu vas cotiser combien? Tu vas venir à c'est bonnet blanc, blanc, bonnet blanc. Vous, toi et mes sangs, vous êtes pareil. Oh, ma voisine de luxe. Je t'ai dit que viens de me réveiller. Je suis là dans le Congo, ça. Je ne vais même pas avoir pris ma douche. Tu sens, moi, je suis ici étant chez toi. Ma voisine de luxe, oh, merci pour la soirée. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Tu es vraiment le luxe insolent. Hein? Merci. Donc, Akamba n'aura rien, mais ça. Bon, je ne sais pas quel âge, mais ça a commencé à travailler. Ce sont les personnes qui vont gagner 800 francs à la retraite. C'est pour ça qu'ils cherchent maintenant les voies et moyens pour jongler. Parce que la retraite, c'est le frappe déjà à sa porte. La retraite, c'est le frappe déjà à sa porte. Elle fait déjà tout. Il voulait aller à l'IEBRI mal pour arrêter de travailler. Ça n'a pas marché. Vous avez pas fait la joyeux Noël coco pour être à l'aide de l'aide. Vous avez pas fait la commencer à travailler à quel âge après de 50 ans. La retraite pleine en Europe, c'est quand tu travailles, tu commences à travailler à 25-26 ans. Même vous qui partez en Berlin, ma petite soeur, je l'ai amenée. Elle fait le travail pour elle menace ses investissements. C'est aussi au Cameroun, elle a ouvert ses entreprises à évoluer partout parce qu'elle a calculé sa retraite. Elle dit qu'elle n'aura rien, elle n'aura même pas 800 francs. Elle n'aura même pas 800. Elle est suisse. Passeport suisse qu'elle a pris l'année passée là. Elle est suisse. Elle a calculé que si elle arrête de travailler à tel âge, malgré ça, elle a surtout les assurances, vu l'assurance, machin. Elle n'atteindra même pas 1000 francs par mois. Moi, je suis à 2300 parce que mon mari a travaillé dur. Oui, ils n'ont pas les moyens de leur politique, ils veulent faire comme les couples à mode. J'ai dit à ma sœur, tu veux aller te comparer à mode. Mais c'est le suicide que tu cherches. Ma belle femme, c'est ça qu'il voulait aller. Amoda a les moyens de sa politique. Mais sans voulait que c'est moi qui vienne organiser le baptême de son fils pendant leur mariage au Cameroun. J'ai fui. Oui, la dame des produits lave le sang. C'est son direct que j'ai écouté quand je suis pris dans la merveille à partager parce que je la suis. Moi, je ne peux pas écouter les directs de Mbrakata. Donc, quand on coupe, je suis dans mon lit, j'ai suivi ça le matin. J'ai dit, ah, il faut que je parle à ma sang. Il a bouffé comme il. Et j'ai écouté tout ce que j'avais déjà dit. C'est ce que la dame l'a dit. Voilà.
fils. Vous avez deux adresses différentes. J'avais dit ça ici, non? Et c'est toi qui viens me dire que je suis Tisa. Tisa d'un quoi? Je vis mentalement avec un homme que j'ai choisi. Parce que moi, j'ai choisi les hommes avec qui. Oui, les boss disent choisissent leur homme. On ne nous impose pas. Quand tu as ton argent, tu choisis. Pour vivre avec, pour faire semblant, parce que je n'ai pas le choix. Quand tu as tes permis de conduire, tu as des voitures, tu choisis. Elle a le choix de ses décisions. Voilà. Elle n'a aucun choix. Mais ça n'a aucun choix dans sa vie. Elle subit. Elle vient jouer les saintes qui nous touchent quand elle prend la caméra. Tu veux que je te dise les pleurs? C'est pleurs à mes oreilles? C'est pleurs à mes oreilles? Ça, mais ça, tout ce qu'elle a trouvé, voilà ce que je vous le dévoile aussi. Tout ce qu'elle a trouvé qu'elle peut offrir à sa mère, c'est pour vendre le vin de palme, comment on appelle ça? L'huile de palme à Edea. L'huile de palme. Sa mère vend l'huile de palme à Edea. La mère de Saint-Vincent. Sa mère vend l'huile de palme. C'est comme ça que je vous sors souvent les fax propres. Mais ça a le permis, c'est. Je suis en train de conclure mon direct. Là, il fait chaud, il faut que j'aille prendre ma douche. Mais sans a le permis, il n'a pas de passeport suisse. Il travaille comme livreur. Il vit en Suisse. Il est encore marié. Il n'est pas divorcé. Il attend que la femme suisse la meure pour bénéficier un peu peut-être des rentes suisses comme je suis là. Encore, Dina, moi je m'en fous de tout ça. Est-ce que je la. Elle ne m'intéresse pas, sa vie ne m'intéresse pas. Je vous dis que j'écoute les directs coupés. Et j'ai compris ce que j'avais déjà dit. C'est pour ça que je fais le direct. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Le reste qu'elle raconte, je ne la suis pas. Je coupe les. Je n'ai pas la connexion, je n'ai pas le temps à venir m'asseoir au Cameroun pour écouter les directs. Je coupe les coupés, les parties intéressantes. Heureusement que c'est là. Hein? Merci, Duna Dorette. Donc, mais ça a le permis, c'est. Il n'a pas de passeport suisse. Si je manque, il ouvre le passeport, il poste. Il ouvre. Il filme, il poste. Comme il aime les films, il aime répondre. Voilà ça que je dis. Il aime venir répondre. Il vit en Suisse. L'adresse de sa femme virtuelle, parce que c'est sa femme virtuelle, la mère de ses enfants, pour être plus crédible. L'adresse de la mère de ses enfants ne figure pas chez lui en Suisse, parce que c'est la mère de ses enfants. Elle lui a prêté son ventre pour qu'il soit père. Voilà. Et il est reconnaissant à cette femme pour qu'il soit père biologique. Hein? Parce qu'officiellement, ce n'est pas lui le père, c'est l'État. C'est l'État qui est le père de ses enfants, l'État allemand. Officiellement, un vrai homme assume sa famille, comme Amok le fait. Monsieur Sal. Un vrai homme commence par assumer sa famille. Un vrai homme, c'est sa famille. Un vrai homme, c'est sa famille. Ça dit, tu assumes ta femme comme tu fais là. Tu viens faire semblant d'assumer sur Internet. Non, c'est pas ça, assumer. On assume officiellement là où vous vivez. Ne viens pas faire semblant d'assumer sur Internet. Nous, on n'a rien à foutre de vos vies. Tu vas bouffer ton djanga, après on va t'oublier, non, chacun de nous a eu sa vie. Assume ta femme officiellement, si quelque chose arrive, qu'elle bénéficie de toi. Qu'elle bénéficie de toi là-bas en Europe, si quelque chose arrive là, comme tu as failli mourir là. Elle se présentait, qu'elle est qui? Non, mais sans, soyons, voilà, je crois qu'il est parti mourir, je suis vrai au Cameroun, je fais la bouche maintenant parce que j'ai gagné mon argent. Il est mort, j'étais sa femme officielle, et pourtant il voulait être avec une autre femme. Il n'y avait pas de divorce. Maintenant, là, si tu crèves, comme tu as tué la mère, là, si quelque chose t'arrive, là-bas en Europe, Star va te présenter en tant que qui? Elle va amener les photos du virtuel. Hein? Elle va amener les photos du virtuel. Si tu crèves, là, Star, mais ça ne sera jamais veuve en Suisse, elle ne va jamais toucher ta rente. Jamais de la vie. Parce que tu sais que tu es marié. Officiellement en Suisse. Tu n'es pas divorcé. Tu n'es pas divorcé. Oui, c'est pour gagner des allocations.
Moi, j'ai un pied en Allemagne, je connais tout ce qui se passe en Allemagne. Ils ont même voulu ramener leur amitié là sur ma petite soeur, elle a fui. J'ai les photos où ils sont allés manger chez elle. Et elle va accueillir au jardin. Elle a refusé de les faire monter chez elle. Elle a dit, les amis de ma soeur ne sont pas mes amis. Hein? Ça me semble, si quelque chose arrive à ton soi-disant mari là maintenant, tu vas gagner quoi? Maman, c'est toujours le mariage que tu cherches comme ça pour venir oublier la solitude d'un mec, pour venir parce que tu veux t'afficher sur internet que toi aussi tu es marié. Tu as assuré tes arrières, maman? Tu as assuré tes arrières? Tes enfants, ce monsieur n'est pas la paix officiellement. Toi-même, tu n'es pas sa femme officielle, sauf sur Facebook. Si Clément là, comme il a failli mourir là, est-ce que tu as pensé à ça une seconde? Non. Tu peux même penser, ben, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce que ton mari est marié en France, en Suisse. Il ne peut pas légaliser ton mariage en Europe. Le voilà qui a failli, que l'amour a failli emporter là. Si moi là, qu'on va appeler comme Chopin est mort, c'est moi qui suis allé me présenter comme femme officielle. Et pourtant, je vivais même déjà avec un autre. Je vivais maritalement avec. Je faisais ma vie, lui aussi faisait sa vie. Mais je parle des officiels. C'est moi qui ai tout bloqué. C'est la Bolivie avec les larmes, les yeux pour pleurer. C'est qui vit dans la même maison que lui, que tout le monde croyait que c'était sa femme. Elle a commencé à me supplier que je parle. Elle a dit, et là, nous aussi. Si tu sais pas te renseigner, c'est que je veux dire, là, moi aussi. Tu as pris mon mari pendant des années, il meurt, donc c'est moi qui dois venir payer pour l'être que vous avez consommé ensemble. Tu es malade. J'ai coupé, j'ai bloqué. J'ai fait virer, j'ai bloqué tout ce qui est à partager. Je sais pas, parce que j'étais la femme, je suis sa femme officielle jusqu'à aujourd'hui. Madame Chopard, ça ne chauffe pas. Tu es madame qui? Ça me semble. Tu es madame qui est en Europe. Ou non, Gaza. Tu réfléchis même. Il a dit hier qu'il a 120 kilos ou c'est 130 kilos. S'il a l'ABC là, ou l'arrêt cardiaque, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et c'est bon. Ça va pas trop peser sur toi parce que tu vis déjà ça au quotidien. Que tu es femme seule en Allemagne. Donc pour toi. Quand il vient de Villa, le week-end, vous faites les photos sur Facebook. Bon. Ça te va? Toi, tu n'as pas les ambitions. Toi, la femme, tu n'es pas ambitieuse. Tu te contentes du bout des nez comme ça. Je suis Madame Sam sur Facebook. Parce que tu es la femme de Facebook. C'est tout. C'est tout. Et la mère de ses enfants. C'est tout le rôle. Je t'ouvre les yeux aujourd'hui, c'est tout ce rôle que tu joues sur lui. Tu n'es pas sa femme. Déjà qu'il n'a rien au Cameroun. Tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas sa femme officielle. Je suis désolée. Pose-toi les questions que si quelque chose arrive à tout ce qui dort, même il part. Parce qu'il y a des gens qui mettent dans le sommeil. Vous avez vu la mère ici, là, qu'il vous a donné rendez-vous pour un direct le lendemain. Le matin, nous sommes réveillés, qu'on nous a dit qu'il est mort. Hmm? Tu vas te présenter comment que c'est. Voilà, c'est le père de mes enfants. Même dans l'acte de naissance, il n'a pas connu les enfants. Tout ce qui est officiel pour vous, c'est la page officielle que vous avez. C'est virtuel. C'est virtuel. C'est tout. Ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Si ton mari est encore marié, demande-lui de divorcer. Il t'épouse légalement en Suisse. Pour que s'il lui arrive quelque chose, que les enfants bénéficient quand même. Sur ce,
Bonne journée. Moi, je suis dans mon chantier. Donc, voilà. Je suis venu mettre le canon sur la porte en fer. Moi, je suis dans mes chantiers. Je fais mes... Quand j'ai le temps comme ça, je fais mes directs. Et ça ne chauffe pas. Voilà ce que Star me semble devait construire à sa mère depuis qu'elle en met. Depuis qu'elle en met. Pas vendre le... Comme vous avez dit que mon père vend... Mon père vend l'eau. Mon père vend l'eau parce qu'il veut vendre l'eau. Il a 150 000 francs de retraite. C'est un fonctionnaire d'État. En plus, il avait ses femmes. Il a d'autres enfants. Un papa et une maman, c'est pas pareil. Si ma mère vivait... Tu vois ce que le président m'a fait à sa mère? Et vous venez vous asseoir, vous lui parlez. Sa mère boit du ruinard au Cameroun, chez elle. Il a tué 4 bœufs à la cour de sa mère. Il n'a pas publié ça sur Facebook. C'était sur WhatsApp. Tu veux te comparer à présent, tu as le niveau. Et l'an est ouais.